Ah, nous y voilà. Ciao, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Dans la peau d'un sprinter. Ça y est, nous avons enfin couru en Italie. Benvenuti a tutti gli italiani. Se volete video anche in italiano, non esitare da dirlo, si può fare. Se no, per ora continuo in francese e ci sono sottotitoli directamente sur YouTube. Comme vous le savez, cet hiver ça a été très compliqué, mais là nous avons enfin fait nos grands débuts dans un 4x100 mètres contre les champions olympiques, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Moment incroyable, avec de très grandes nouvelles si vous m'avez suivi un petit peu sur les réseaux, car oui, nous avons battu le record de Toscane qui tenait depuis plus de 20 ans sur ce relais 4x100 mètres, 40 secondes 83. Vraiment, on était très fiers d'avoir fait cette performance. Durant cette vidéo, vous allez pouvoir voir donc les courses, également l'ambiance générale, mais des petites surprises aussi avec certains athlètes que vous allez reconnaître. Donc j'ai fait en sorte de vous préparer quelque chose aux petits oignons, j'espère que ça va vous plaire. Grandissimo grazie a tutti i tifosi che erano nelle tribune, perché era veramente un momento straordinario per me e per tutta la team, fa tanto piacere. Merci également à vous sur les réseaux de m'avoir soutenu, d'avoir regardé, de m'avoir envoyé des messages. Et également merci pour la dernière vidéo que j'ai sortie. On a explosé le nombre de vues sur une si courte période. Donc vraiment merci, merci, merci. Ça donne énormément de force et on va pouvoir démarrer cette saison avec encore plus d'essence dans le moteur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner et surtout partager la chaîne. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Tutto molto più facile, grinta e cattiveria, non nel senso di musica, tutto molto più fluido, più facile, non so più. Ti hai immaginato qualcosa di velocissimo ma fluido, non roccioso, non spinoso. No. Tutto rilassato, tutto estremamente rilassato. Più sei rilassato, più il sistema nervoso lavora meglio. Va. Yo la team, bon, on est le matin de la compète. Bon, normalement on devrait avoir assez repris d'énergie pour être en forme, j'espère en tout cas. Et là, petite promenade, j'aime bien faire ça avant les compètes. Soit je fais un petit peu de mise en action musculaire, soit je vais me promener. Et je trouvais que c'était bien d'aller se promener aujourd'hui. Donc voilà, on va marcher, il fait beau, on va profiter. Ici on est en Italie, c'est magnifique. Donc j'ai envie de vous dire rendez-vous tout à l'heure pour le grand acte. Grande Bretagna,
qua Lorenzo Panza, l'uomo che ha lanciato la 50% olimpica. Ricordiamo come era insieme a Matteo Ramuzzo in seconda, a Ottino Cesaro in terza, tutti morti e qua. E qua è il quarto, con sia Trece, in secondo, come così ancora una squadra di casa, che sarà il primo gol in modo corto. Bon, on est juste après la course. Du coup, apparemment, on a fait le record de Toscane qui tenait depuis à peu près une dizaine d'années. Et ça faisait un an que j'avais pas couru en compète. Un an. Donc là, les bonnes sensations. J'ai pu mettre de la vitesse. Mais ça peut aller plus vite. Donc là, grand début de saison. Et là, c'est incroyable. Incroyable. Rendez-vous dans les prochains épisodes là. Mais là, c'est incroyable. Je vous dis, une ambiance de fou, tortue, des salons, tout ça. C'est trop bien de courir. Là, on est venu ici pour ça et incroyable, les gars. Et voilà, record de Toscane en 40-83, comme je vous l'avais dit. Un relais qui était incroyable. On a réussi à faire des passages vraiment très fluides. Et surtout, chacun a donné le maximum de soi-même. À côté de notre relais, bien sûr, il y avait d'autres compétitions avec du 100 mètres, du 200 mètres, du 400 mètres, du relais féminin. Je vous ai fait un petit medley de tout ça. Et derrière, bien sûr, comme je vous l'ai dit, quelques surprises avec des interviews. Prima del 400 metri, come ti senti? È dura, è dura. Senti? Sì, dura. Sento bene. Ma vogliamo un PB oggi? Oggi PB. Sì? Dai, dormiamocelo. Ciao, siamo con la Martina. Buonasera. Allora, buonasera. Donc la Martina fait partie du relais féminin 4x100. Elle a un gros départ. Donc vraiment, c'est incroyable. Et on a dit la Martina de la staffetta du 4x100 a una partenza incredibile. A scatto. Sì, scatto. Esatto. Allora, come ti sei sentita? Benissimo, benissimo, proprio andavo. Mi stavo dietro a quelle dell'Italia, quindi perfetto. Dai, ma complimenti per questa corsa e appuntamento durante la stagione. Perfetto. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Comme je vous avais dit, j'ai fait quelques interviews après ma course. Je pense que ce sont des visages qui vous seront familiers. Bon, salut à tous. On est avec Samuel Ceccarelli, champion d'Europe. Vous connaissez des... Merci beaucoup. Ah, on parle français. Un petit peu. Oh, bravo, bravissimo. E allora, come ti senti per la stagione? Sono, diciamo, fiducioso perché, insomma, la base di lavoro da cui si parte è buona e spero, insomma, che tutto quanto il sistema mi assista e li porti avanti bene anche sui centri. Ah, bravissimo. E per la staffetta, allora, avete fatto le prove? E come era? L'importante è trovare l'intesa tra di noi. Questa c'è perché siamo un bel gruppone unico, unito, compatto e quindi, insomma, sarà divertente prenderne parte quando sarà il momento. Bravissimo, ma complimenti per... E bocca al lupo per la stagione. Ciao. Ciao.
ciao a tutti. Ciao, io quella che dicevo. Tutto bene, dai, purtroppo la staffetta non è venuta bene, c'è cascato il testimone, però abbiamo provato un po' dei cambi lunghi per tentarla, perché era un'occasione per noi per provare a fare qualcosa di diverso, e quindi va bene, però dai, le sensazioni per il resto buone, ora inizia la stagione, quindi vediamo. La stagione, allora. Sì, sabato prossimo inizio con i 100 metri, okay. E poi vediamo, è ancora poi lunga, ci saranno tante gare da fare, tante gare importanti. Incredibile, allora in bocca al lupo. Crepi il lupo e grazie mille. Sì, ci vediamo dopo. Allora. Certo. Bon, bonjour à tous, je suis avec Fausto De Salou. Bonjour à toi, Emon. Et on a fait, du coup, on a fait la staffetta de Florence, on a battu le record. Merci beaucoup, grazie mille, Fausto. Merci à toi. Et complimenti et appuntamento per mondiali et tout. Forza, forza a te. Grazie. Ciao, ciao. Bon, on arrive à la fin de la journée. On va manger une pizza tous ensemble. Voilà les héros du jour. Donc, un nouveau record toscan et une grande compète. C'est le début, rendez-vous ce week-end pour les championnats Arezzo. Donc, à la prochaine. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Surtout comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre des commentaires et de partager la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour les résultats sur les Campionati Società, en espérant bien sûr de très bonnes nouvelles, que ce soit sur le 100 mètres ou sur le 200 mètres pour moi-même. Sur ce, je vous souhaite un bon début de saison à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.